Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. 7h54 sur Sud Radio, l'heure de Carly Libre. Laurie, pas de chronique ce matin de Guy, qui évidemment est pris, il met la dernière main au spectacle « On ira tous au paradis », je vais chanter tout à l'heure, qu'il va jouer demain soir au Théâtre de l'Européen, c'est à Paris. Hein. Oui, et bientôt chez vous, en toute la France. Exactement, et Guy a décidé de convaincre les derniers indécis de nous rejoindre à l'Européen demain et de nous mettre l'eau à la bouche avec ce spectacle. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est Dieu qui vous parle. Ah. Vous entendez cette voix? C'est pas mal, non? Ouais. Mesdames et messieurs, si je vous parle avec des mots en tenue de soirée, avec des harmoniques soyeuses comme un revers de smoking, c'est pour vous demander de me confier vos émotions demain soir pour le temps de ce spectacle. Parce que ça me fait mal de les voir dépérir tout au fond de vous, vos émotions. Elles ont vraiment besoin de sortir. Alors, je vais les emmener faire un tour au paradis. Oui, bien sûr, je sais bien que vous vous dites, mais fous-leur la paix à nos émotions. On vit dans un monde où on peut plus les montrer, alors on les garde à l'intérieur de nous, on les cache. Tiens, si tu veux vraiment les voir, nos émotions, regarde-les. Elles traînent en jogging sur les canapés fatigués de nos illusions perdues. Nos émotions ne sont plus que des cartons à pizza vides devant Cyril Hanouna. Alors, tu crois qu'elles sont en état de sortir, nos émotions? Ouais, je vous comprends. Mais je me permets d'insister, parce que le paradis, c'est pas tout à fait ce que vous croyez. Je vous explique. Comme vous l'avez sans doute remarqué, Dieu a lâché l'affaire. Dépassé par le chaos dans lequel s'enfonce l'humanité, il a décidé de fermer le paradis. Bon, ceci dit, faut dire qu'il y avait de moins en moins de clients pour passer l'éternité sur un nuage à la con entre sœur Emmanuel qui crie sans cesse « Yalla !» et l'abbé Pierre avec sa pèlerine couverte de pellicule. Tu m'étonnes que les gens choisissaient de plus en plus l'autre option paradis, celle avec les 70 vierges à volonté. Non, dorénavant, le paradis, il est en chacun de nous. Le paradis, c'est les replis de nos âmes, où l'on garde précieusement les souvenirs sublimes de nos vies, nos moments de bonheur, nos désirs inassouvis, les endroits sur la terre où on a été heureux, la beauté des choses qui nous ont bouleversés, et le souvenir des êtres qu'on a aimés, qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait rêver. Demain, c'est Michael Lecoq, un des plus grands musiciens français, qui vous servira de guide. Ce sera votre ange, en quelque sorte. Même s'il n'en a pas le look, hein. C'est sûr que si vous teniez au côté rose et talqué aux ailes d'un ange, vous allez être déçu. C'est pas Plumoku qui va vous emmener au paradis. C'est un grand musicien et il connaît par cœur le chemin de musique qui fait ressortir les émotions. Alors ça y est, vous êtes prêts à venir décoller demain avec nous pour le paradis? Rendez-vous demain soir à l'Européen et juste après les phrases rituelles. PNC à vos portes, armement des toboggans, vérification des portes opposées. On sera prêt à décoller pour le paradis. Et pour commencer ce beau voyage, on va mettre le cap au 180, c'est-à-dire plein sud. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Ça donne des frissons, ça, mon cher Guy Carlier. Demain soir, donc, au Théâtre de l'Européen, et ensuite, ce sera évidemment... Oui, je vous promets une heure et demie de frissons. Ouais, une heure et demie de frissons. Oh là 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 là. Attendez, pas que des promesses, hein, y en a certains, certaines. Bon, rassurez-moi Guy, il est terminé d'écrire ce spectacle quand même, parce que je vous connais, jusqu'à la dernière seconde, vous êtes capable de tout changer, non? Oui, c'est à peu près ce qui s'est passé pour... Il y a 26 chansons dans le spectacle, donc 26 textes, vous avez compris le principe. Ouais. Un texte suivi d'une chanson, et on chante, le public chante avec nous. Et, ah bon, aussi ? Et j'ai changé hier toute l'idée d'une chanson. Évidemment. Merci Guy. Allez, c'est demain soir, donc évidemment à Paris. Je sais qu'il y a des auditeurs qui vont se joindre à nous, bien sûr, qui ont appelé au 0826 300 300.